C'est très bucolique le passage de canard derrière, j'espère que tout le monde l'a. Il est très beau. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Time to Train, la série où on parle à la rencontre de nos athlètes compex. Le concept, c'est qu'un athlète pas professionnel, c'est-à-dire moi, part s'entraîner, partager une séance d'entraînement avec un de nos athlètes compex, des athlètes professionnels. On va essayer de découvrir leur sport, d'en faire un maximum. Aujourd'hui, on est au lac du Crès, à côté de Montpellier, pour partager une séance de natation dans le lac, de l'eau libre, puisque notre athlète aujourd'hui, c'est Lara Grandjon, nageuse olympique, spécialiste en eau libre. Alors on va essayer de faire une traversée du lac tous les deux, on va faire un peu de technique, elle va m'apprendre les rudiments de la natation en eau libre. Vous retrouverez tout ça dans cette vidéo. Lara, merci de passer ce moment aujourd'hui avec nous au lac du Crès à Montpellier. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux tout simplement te présenter ? Donc je m'appelle Lara Grandjon, j'ai 30 ans, je fais de la natation en eau libre et je suis qualifiée pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Alors depuis quand tu fais de la natation et comment surtout t'es arrivée dans l'eau libre ? Alors je fais de la natation depuis que j'ai 6 mois. J'ai commencé parce que ma grande sœur faisait de la natation, donc au final j'étais au bord du bassin et puis voilà, ça ne m'a de suite plus. J'ai surtout commencé en natation en bassin jusqu'à 2016 et après il y a eu une porte ouverte aux 25 km et du coup je me suis dit alors pourquoi pas et voilà. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée d'entraînement pour toi ? Alors le matin, vers 7h à la piscine, de 7h à 7h30, on s'échauffe un peu à sec. Donc tout ce qui est élastique, abdos, gainage. Ensuite, à 7h30, on se met à l'eau jusqu'à 10h. On fait à peu près 8,5 km, voire 9 km tous les matins. Et par la suite, je fais un peu de muscu, donc voilà, 40-45 minutes, surtout axé sur les bras. Et l'après-midi, soit je vais courir, donc une heure de footing, ou alors une petite séance sur piste, ou alors je retourne à la piscine et c'est pareil, 2h30 dans l'eau. Ok, et tu refais 9 km ? Oui. Ok, 10 minutes par jour, ça fait beaucoup. Est-ce que tu t'es suivi par un coach en particulier pour tes entraînements, ta nutrition, tout ça ? Ou est-ce que tu gères ça toute seule ? Alors tous mes entraînements, c'est Philippe Lucas qui les fait, que ce soit les séances sur piste, en course à pied, les séances de muscu, c'est vraiment Philippe qui gère tout. La planification avant les compétitions, les stages, il gère tout. Est-ce que tu as un cheat meal préféré, un repas qui sort de la semaine habituelle ? Moi j'adore tout ce qui est chocolat, mais je suis capable de faire un repas que de sucré. Que de chocolat. Ah ouais, chocolat, crêpes, gaufres, j'adore. Parfait. Quels sont les produits compex que tu utilises le plus et est-ce que tu es plutôt récupération ou travail entraînement avec ? Alors moi c'est plutôt pour la récupération, donc l'électrostimulation plutôt axée sur les jambes. C'est vraiment là où je ressens le plus de besoins et le plus de bienfaits aussi. J'utilise à peu près 3 fois par semaine, surtout après les séances de course. Et voilà, je trouve que c'est hyper important pour optimiser la récupération, pour finir la semaine et finir la saison surtout. La saison, c'est important. Donc aujourd'hui, on est au lac du Crès. On va faire une petite séance comme tu as l'habitude d'en faire. Est-ce que tu peux m'expliquer plus ou moins à quoi ça va ressembler aujourd'hui ? Alors d'abord, on va s'échauffer. S'échauffer à sec, donc tout ce qui est épaules. Ensuite, on va faire un peu d'abdos, gainage et après, on va se mettre à l'eau. Ok, on va travailler un peu la technique de nage, la respiration. Oui, voilà, on va travailler la technique, la respiration, donner 2-3 conseils, des petits conseils qui peuvent faire la différence sur un jour de course. Et à la fin, on va essayer de se faire un petit défi. Ouais. Et bien parfait, on se retrouve tout de suite au bord du lac avec Lara pour une séance de natation en eau libre. Ok, on est au bord de l'eau. On n'est pas encore en tenue pour aller nager, mais on s'est mis en tenue pour l'échauffement. Du coup, Lara, qu'est-ce qu'on va faire pour s'échauffer ? Alors d'abord, on va s'échauffer à échauffement à sec articulaire. Donc on va partir de la tête jusqu'aux pieds. Ensuite, on va faire un peu d'élastique. Et pour finir, on va faire un peu d'abdogainage pour se préparer à aller à l'eau. Parfait. Et bien, c'est parti. Donc on va faire des petits tours de tête. Tour de tête. Tranquille. On va tourner les bras. Les bras. C'est Philippe qui t'a donné cet échauffement ? Non. C'est à force de le faire. C'est à force de le faire. On fait toujours à peu près le même. Ouais. Ok, du coup maintenant, on va passer à l'élastique, c'est ça ? Alors soit on peut prendre appui avec un poteau et faire le tour du poteau, soit sinon on tient comme ça. Et là, on va aller chercher vers l'extérieur. Il faut garder bien le coup de contre et on va tirer comme ça. Après, comme ça. Ouais. On en fait 10 encore. Maintenant, on fait 17. Ouais. C'est pour faire faire concurrence. Tire vers le haut. Ouais. Non, après l'entraînement, le plus douloureux, c'est les bras. Ouais, les bras.
parce que c'est ce qu'on travaille le plus quand même. Ouais. Fini avec l'élastique ? Oui. Parfait. Du coup, on passe à la suite ? Oui. Allez. Du coup, on a fait l'échauffement, on part sur le gainage, c'est ça ? Oui, abdos de gainage. Parfait. Qu'est-ce que tu as en tête ? Qu'est-ce que tu as On va faire 20 abdos droits, 20 abdos plutôt obliques, 5 pompes, 30 secondes de gainage. Parfait, très bien. Allez, vas-y. Et là, on en fait combien ? 10 de chaque côté. Ok, parfait. Je vais te faire un fast questions en 30 secondes. C'est qui ton chanteur préféré ? J'en ai pas. Quel type de musique t'écoutes le plus ? Espagnol. T'es plus bagel ou burger ? Burger. Ton film préféré ? La vie est belle. Oh, j'aime bien. Ton athlète préféré ? J'en ai pas vraiment. Si t'avais pas fait de la natation, t'aurais fait quoi ? Des études. Ok. Si aujourd'hui tu devais faire un autre sport, mais il n'y a pas d'eau dedans, qu'est-ce que tu ferais ? La course. Ok. Est-ce que ça fait 30 secondes ? Moi. Allez, on va dire que oui. Ok Lara, du coup on est bon, on a fait tout l'échauffement, on a fait les abdos, du coup maintenant on est parti dans l'eau. Hop hop hop, c'est pas la même tenue ! Ah mince ! Là on est bon ! Eh ben allez, c'est parti ! Ok, donc on est à l'eau, on est prêt avec Lara. Est-ce qu'on fait des petits exercices avant pour travailler la technique peut-être ? Alors je peux te donner quelques conseils, après je te regarde nager et ensuite je te fais un petit résumé. Ok, parfait. Alors ce qui est important en natation, c'est vraiment les bras, ils sont propulseurs, donc c'est ce qui va permettre d'avancer, donc vraiment essayer de prendre un bon appui et pousser fort sous l'eau. Après les jambes, elles vont être là pour équilibrer, vraiment pour te maintenir à plat. Plus tu seras à plat, plus tu pourras avancer vite. Donc voilà, essayer d'avoir un battement assez régulier. Respiration de 3 temps, c'est idéal, mais okay. Si tu peux faire du 2 temps. 3 temps, ça permet de vraiment regarder bilatéralement. Il faut que la respiration soit assez brève, ouais. Faut pas perdre trop de temps parce que vraiment ça va t'enfoncer dans l'eau. Voilà, que ce soit bref. Si tu veux prendre des repères devant, pareil, tu lèves la tête, mais il faut que ce soit bref aussi. Ok, okay, bah je fais quoi ? Une dizaine de mouvements ? Ouais. Ouais, tu me dis ? Ouais. Oh, le chef est arrivé. Alors c'était comment ? Franchement c'était pas mal. J'ai un problème de trajectoire je pense. Ouais, je l'ai c'est dit. Ça on est... Ouais ok. C'est ce que je remarque régulièrement, c'est que j'ai tendance à... Voilà. Mais ça vient aussi dû à ton battement, parce que ton battement tu croises un peu. Okay. Il n'est pas droit. Et du okay. coup ça t'emmène un peu à droite, un peu à gauche. Okay. Si t'avais un battement plus régulier, plus droit, ça serait plus équilibré, tu irais plus droit. Après franchement, 3 temps c'était bien, tu perds un peu de temps sur la respiration, elle est un peu longue. Ouais. Mais sinon franchement c'était pas mal. Ok, du coup on est parti pour la partie challenge avec Lara. Qu'est-ce qu'on va faire dans le lac ? Alors on va faire une sorte de petit triangle pour essayer de se repérer avec les bouées aussi. Donc on va aller sur la première bouée, sur la deuxième et on revient ici. Ok, ça marche. Est-ce que avant qu'on parte, t'as un dernier conseil à me donner ? Alors un petit conseil, c'est vraiment essayer d'avoir des repères hauts. Pas se focaliser sur la bouée, mais se focaliser plutôt sur des repères comme les arbres ou un poteau électrique par exemple. Essayer d'avoir un repère le plus haut, ça permet de ne pas lever la tête trop haut et vraiment de rester aligné. Super. Eh ben écoute Lara, je te laisse faire un 3-2-1 et on est parti. 3-2-1, go ! C'est parti ! Ok Lara, est-ce que le défi a été relevé ? Oui, défi réussi. Parfait ça. Lara, on a fini la séance, on est en récup avec les bottes de compression. On va commencer par un petit débrief. Est-ce que tu peux faire un retour sur la séance ? Est-ce que le défi a été relevé ? Est-ce que j'ai pas trop mal nagé ? Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Franchement, moi j'ai trouvé que c'était bien, le défi a été relevé. Il y a 2-3 petites choses à améliorer, mais c'est ce qui fait que c'est encore mieux. C'est qu'on voit une progression et du coup c'est chouette. Est-ce que tu as des objectifs à venir en particulier au niveau de tes entraînements, ta motivation et des échéances? T'en es où toi? Alors pour moi c'est une année très importante, c'est l'année olympique. Les Jeux auront bien lieu et au moment en tout cas où la vidéo tournera, les Jeux seront faits. Les Jeux seront faits, eh bien ça là. Si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur Instagram, j'essaie de partager un peu mon quotidien, de partager ma préparation, mes objectifs, mes compétitions. En tout cas, on voulait te remercier énormément de la part de toute l'équipe Compex de nous avoir reçus ici. C'était super top de ce matin à la piscine jusqu'à cet après-midi au lac, c'était trop cool. Donc merci à toi de nous avoir reçus. On va dire merci à 0D pour la combinaison avec laquelle moi j'ai pu nager. 0D et My Tribe, il y aura le lien dans la description pour retrouver la combinaison. Au moment où cette vidéo sort, il y a un jeu concours sur le compte de Lara. Alors le lien est aussi dans la description, donc vous cliquez sur tous les liens dans la description et vous allez tomber sur le compte de Lara et il y aura un jeu concours, on ne vous dit pas ce que c'est la surprise. Bah, au moment où vous voyez ça, il suffit de cliquer sur le lien et d'aller voir le jeu concours. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Merci pour tout, c'était une chouette journée et voilà, merci. Parfait, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec un autre athlète Compex. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel athlète ou quel sport vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Et en tout cas, merci de nous avoir regardés jusqu'à présent et à très bientôt. Encore le canard? Non. Ah non, merde. C'est bon? Il fallait faire quoi? C'est parfait. C'est bon? C'est parfait. Ok, j'ai pas bougé. C'est pas la bonne tenue? Ah mince! Ah non! Ah j'ai sauté en plus! Mais t'as sauté! Je pensais pas que t'allais sauter! Ouais, je pensais pas le faire non plus. Mais ça m'a pas fait mal. Trois fois par semaine. Ok. Waouh! Ok, il a fait tomber un peu. C'est clé peut-être. Et lui il a fait du bruit, on lui dit rien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, mettez en commentaire l'athlète que vous aimeriez voir dans un prochain vlog ou le sport que vous aimeriez voir dans un prochain vlog. On essaie d'en faire un maximum et d'aller à la rencontre de tous nos athlètes Compex. Partagez cette vidéo, ça soutient la chaîne et merci à vous.